demande et tu recevras. Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Alors dans ce podcast, le titre peut paraître un petit peu bizarre, un petit peu euh, tous les gourous qui te vendent la loi de l'attraction et ce genre de conneries. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que dans le business, comme dans n'importe quelle autre chose, tu n'auras rien si tu ne passes pas l'action, si tu ne demandes pas. Je vais t'expliquer concrètement et je vais te dire exactement à quoi je fais allusion. Alors euh, je vais tout simplement, je suis en train de développer un autre side business, donc un petit business d'affiliation euh, dont tu as sûrement déjà entendu parler, je t'en parlerai potentiellement plus tard dans un prochain contenu. Et euh, donc en gros, pour ce business, tu as besoin d'avoir des partenaires, donc des demoiselles, je t'explique. Et donc, tout simplement, je cherchais des demoiselles, je cherchais des demoiselles avec ma technique, je t'en parlerai potentiellement plus tard, c'est pour ça que là, je dois un petit peu cacher certaines choses. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais travailler avec une certaine demoiselle, mais je me suis dit, c'est impossible qu'elle me réponde. Alors euh, sans vouloir faire la star ou je sais quoi, tu vois, je sais que j'avais une meilleure audience, une plus grosse audience qu'elle, mais euh, je me suis dit... Bizarre, enfin c'est normal, elle doit recevoir beaucoup de DM, donc qu'est-ce que je fais Est-ce que je la DM ou est-ce que je la DM pas Est-ce que je lui envoie la proposition ou bah pas Donc là, c'est un business qui est totalement différent, un business dont tu m'as jamais entendu parler, ce ce jour, c'est pas de l'e-commerce, c'est pas de, de la vente de formation, de la création de contenu, tu vois. C'est vraiment un autre side business que j'ai appris que, qui existait lorsque j'étais à saint avec des amis entrepreneurs. Et donc ce que je veux dire, c'est que là j'ai besoin de partenaires, donc de demoiselles ou même aussi d'hommes, et là plus moi personnellement, je cherche des demoiselles pour lancer ce business rapidement, et donc je me suis dit, elle va jamais répondre. Tu vois, parce que je pense que toi aussi, pareil, quand tu euh, vois le Instagram d'une demoiselle sur les réseaux et tu vois qu'elle a beaucoup d'abonnés, tu te dis elle doit recevoir beaucoup de DM et donc elle le, ne va pas répondre. Et donc, ça, sache que déjà, c'est l'effet Pygmalion. Donc, en gros, la théorie autoréalisatrice. C'est-à-dire que tu te penses que quelque chose va se passer et donc tu agis et donc ça se passe. Par exemple, là, si tu penses qu'elle ne va jamais te répondre, bah, tu te dis ok, elle bah, va jamais répondre, donc ça sert à rien que je lui envoie un message. Et donc, résultat, elle ne va jamais te répondre puisque tu ne lui pas envoyé de message. Et donc, en fait, penser des choses et agir, ça va te donner des certains résultats. Et c'est pas bien. Donc, arrête de penser certaines choses et commence à agir. Ne te pose pas la question de oui, elle va pas répondre. Euh, oui, si j'envoie un message à tel entrepreneur pour lui poser une question, il ne va pas répondre. Euh, oui, si je lance ce business, ça risque d'échouer, donc je ne lance pas ce business. Parce que ce que tu penses, ça va se transformer en tes actions. Tes actions, ça va être tout simplement le résultat de tes pensées. Et à tes actions, ça va donner des résultats. Donc, généralement, les résultats, ce sera en fonction de tes pensées et de tes actions. Donc, ce que je veux dire, c'est n'aie pas peur de, de passer à l'action, de demander. Parce que si tu veux tout savoir, cette personne m'a répondu. Donc, bien évidemment, j'ai fait en sorte que mon DM ne soit pas comme les 10 000 mecs qui doivent la DM tous les jours pour leur dire Ah, t'es bonne, envoie ton Snap, etc. Tu vois, moi, c'était dans une démarche professionnelle. Donc, j'ai fait en sorte de mettre de la curiosité. Au lieu d'envoyer un simple DM, j'ai envoyé une photo euh, vraiment avec du copywriting pour lui expliquer, etc. Et j'ai une réponse. Et au final, on travaille ensemble, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est que. 1, demande et tu recevras. Donc te Dis pas oui, ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher si tu demandes pas, si tu ne passes pas l'action, si tu ne mets pas les efforts en place, si tu ne fais pas le premier pas pour avoir ce que tu veux, pour lancer ce business, pour avoir ce partenariat, pour chercher ces informations, pour avoir des réponses à tes questions, tu n'auras pas des réponses à tes questions, tu n'auras pas de business, tu n'auras pas de partenariat. Donc, n'aie pas peur de demander, d'aller chercher auprès des personnes et tu recevras. Et bien évidemment, cherche à te différencier des autres personnes parce que si jamais tu veux lancer un partenariat pour un certain business, pour d'autres types de business, etc., bah, si tu fais comme tout le monde, si tu es comme tout le monde, si tu es en mode salut, ça va comme les dix mille messages que tout le monde reçoit par jour. Tu ne vas pas répondre et d'ailleurs moi quand je reçois un message en salut ça va euh, je réponds directement euh, salut comment je peux t'aider pose-moi ta question parce que les Salut, ça va on n'a pas de temps à perdre tu vois t es entrepreneur je suis entrepreneur tu veux devenir potentiellement entrepreneur le temps c'est ta ressource la plus précieuse t'as pas de temps à répondre salut après la personne te dit ça va ça va tu fais quoi ok ça personnellement j'en ai rien à foutre toi t'en as, as rien à foutre tout ce que tu veux c'est wif. donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça va te rapporter qu'est-ce que les réponses à tes questions etc tu vois c'est comme ça que tu veux savoir comment lancer un business comment gagner de l'argent comment investir comment être plus productif etc., etc etc comment atteindre tes objectifs tout ça et donc ce que je c'est demande et tu recevras, n'aie pas peur de passer à l'action, n'aie pas peur de dire oh bah je vais pas avoir de réponse, oh bah et là même hors du business, hein, je vais extrapoler euh, vraiment, je vais pas que tu sois dehors, tu te dis bah cette demoiselle est charmante, euh, j'ai envie d'aller l'aborder, mais elle va me refuser, elle va me caler. Et bon, si tu ne vas pas lui parler, effectivement, elle te pourra pas de recaler du tout. Donc ok, ton ego est safe, tu te dis bah, c'est moi, bon, elle va pas recaler, mais si tu allais lui parler, potentiellement qu'elle ne t'aurait pas recalé. Tu vois? Donc arrête de, de penser à des choses parce que ce que tu penses en fait ça va te transformer en action et tes actions ça va se transformer en résultat. Alors que quand tu justement tu arrêtes de dire oh bah ça va pas marcher. Boom, il n'y a pas de théorie auto de prophétie autoréalisatrice, pardon. Et donc, ce que tu fais, c'est que si tu demandes, tu reçois. Donc, n'aie pas peur de passer à l'action, de poser des questions à certaines personnes, d'aller voir certaines personnes, d'envoyer certains messages, de lancer certains business, de tenter certaines actions, etc., etc. Donc, c'était pas un, un podcast à euh, but motivationnel ou quoi que ce soit. C'était juste pour te parler de ma journée parce que euh, là, c'est derniers temps. Je pense que tu l'as vu sur certains podcasts. Je ne suis plus régulier, c'est-à-dire que je te fais pas du contenu quotidien pour les podcasts parce que je cherche à vraiment renou renouveler encore plus mon contenu, t'apporter encore plus de valeur, des nouveautés. Donc potentiellement que là les podcasts qui vont suivre ne seront pas forcément quotidiens parce que j'estime que ton temps est précieux, le mien aussi et ce que je veux c'est t'apporter de la valeur concrète. Je veux pas te faire un podcast pour te faire un podcast. Donc s'il y a des jours où j'ai pas de, de contenu de valeur à te partager, je ne ferai pas de podcast. Donc ça c'est une autre chose que j'avais à te dire et je te le dis maintenant. Donc voilà, tout simplement. Donc n'aie pas peur de demander, n'aie pas peur de poser des questions, pose des questions, demande et tu recevras. Je compte sur toi, sur ce, je te laisse ici. Moi je dois me préparer puisque je vais aller au restaurant avec des amis entrepreneurs sur Paris. Mais tout ce que je veux dire, c'est n'ai pas peur de passer à l'action, demande et tu recevras et ne fais pas de prophétie autoréalisatrice. Ne te dis pas Ah, ça va pas marcher parce que tu vas agir comme si ça va pas marcher au final ça ne marchera pas. Et sois différent des autres, ne fais pas comme tout le monde quand tu vas faire une démarche. Intéresse-toi à la personne et cherche surtout à lui montrer qu'est-ce qu'elle va y gagner, à t'écouter, à faire ce que tu veux, à travailler avec toi, peu importe, tout simplement. Donc c'était quelques conseils comme ça que j'avais à donner. Je voulais te faire un podcast un petit peu en mode storytime entre guillemets mais qui t'apporte de la valeur, pas comme les influenceuses qui te font des stories inutiles et tout ensuite en branle, clairement. Donc voilà, tout simplement, je compte sur toi pour appliquer ça. N'aie pas peur, passe à l'action, pose des questions. En fait, sache une chose ici, je tiens à te le rajouter, c'est qu'il n'y a aucune question bête. Il y a aucune question bête. Si tu poses pas ta question, c'est dommage parce que tu n'auras pas la réponse. Donc n'aie pas peur de poser tes questions, même si elles sont bêtes, c'est pas grave, ok Il vaut que tu aies de la réponse et que tu te sentes un petit peu gêné que de ne pas avoir la réponse, te sentir bête et ne pas avoir des résultats dans ta vie. Donc voilà, Ça, je t'ai donné un paquet de conseils dans ce, dans ce podcast, je compte sur toi pour les appliquer. C'était Kendy, je te dis à demain ou à prochain jour pour un prochain contenu rempli de valeur. A plus tard.